que l'UNESCO. Eh bien, l'UNESCO est... Ah non, il faut commencer par le commencement. Quand les premiers hommes sont apparus sur la Terre, ce sont eux. Ils se sont entendus. Plus ou moins bien. Pour une raison ou pour une autre, voilà qu'ils ne sont plus d'accord. Que va-t-il se passer? Regardez. En quelle situation? Ils ont élevé des murs. Chacun chez soi. Le mur de l'envie, le mur de l'égoïsme, le mur des préjugés. Et maintenant, ces murs ont divisé toute la Terre. Beau résultat.
Si vous croyez que c'est une comédie, vous vous trompez. Et si tous ces murs tombaient, qu'arriverait-il? Cette fois, nous allons savoir ce que signifie l'UNESCO. Ah, ils ne comprennent pas. En premier lieu, éducation. Et travailler ensemble. Nous voulons tous une vie meilleure, mais pour l'obtenir, il faut nous unir et nous retrouver sous un même toit, hommes de tous les pays, pour échanger librement nos trésors de sciences et de techniques et partager notre patrimoine culturel. Grand carrefour des idées et des expériences, l'UNESCO. L'UNESCO est l'Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture. Elle est faite pour tous les hommes, pour toi.